Banks, les gens, c'est QS Banks, c'est bien quoi les mecs, tranquillou. Alors moi ça va nickel, on se retrouve sur GTA Online les gars. J'ai mis ce petit passage avant de commencer la vidéo sur les portes secrètes de GTA V. C'est parce qu'il y a des gens qui soutiennent Mordicus, comme on dit, expression de 1960, que je fais des modes ou quoi, que je glitch, que je triche, que c'est pas vrai, que je suis sur PC. Non, je suis sur Xbox One, regarde, là c'est en ligne, c'est une course. Voilà. C'est parti, numéro 5. Alors là, on est dans le quartier des Vagos. J'ai déjà montré ce passage-là, si tu regardes la série d'ailleurs que je fais Vagos Locos sur le YouTube. Je t'invite à aller regarder les derniers épisodes. Voilà, on est juste pile poil ici. Tu regardes sur la carte, regarde bien. C'est un petit garage, tranquille. Tu peux entreposer des véhicules, tu peux te cacher là pour éviter la police. Entreposer des véhicules pour faire un montage ou quoi, etc. Tu es dans le quartier des Vagos, donc tu es dans mon quartier, le quartier du crew. Petit coucou au crew. Donc voilà, on part tranquille, tu dois peut-être connaître. Numéro 4. Pareil, c'est toujours tranquille. C'est pas loin d'ailleurs de là, c'est dans la même rue, tu la continues. Je vais te montrer ça tout de suite sur la carte. C'est un autre petit garage entre les, à côté du quartier des Vagos. Dans l'histoire avec Lamar, t'as une émission des Ballas juste à côté, voilà, juste ici. Pareil, c'est un autre petit parking. Voilà, je te montre, j'en ai plein. Hein. D'ailleurs, si tu kiffes les endroits secrets, des glitches pour entrer dans des endroits, etc. Ou des petits garages comme ça, t'aimes bien le top 5 des petits garages, des portes secrètes. Eh bien, je t'en ferai d'autres. Là, j'en ai mis que 5, mais j'en ai encore plein. Des connus, des pas connus, voilà. Là, les trois premiers, les deux premiers sont connus, mais les trois derniers, je pense pas que tu les connaisses. Voilà, je te dis la vérité. Donc, voilà. N'hésitez pas, les gars, à lâcher un pouce, ça aide. Pour ceux qui connaissent pas la chaîne, c'est une chaîne GTA. Il y a des fois, on teste des jeux chaque mois, les nouveaux jeux. Mais voilà, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un pouce, un commentaire, pour voir si tu connaissais ou pas les maps, voilà. Numéro 3, alors tu regardes bien sur la carte, c'est juste ici, là, tac, comme tu peux le voir sur la gauche de la carte. Alors là, j'ai découvert il n'y a pas longtemps celui-là, c'est à côté de l'Astro, je sais pas si tu connais, il y a un truc qui s'appelle Astro Theater, c'est une étoile jaune avec écrit Astro, et là, il y a un petit garage sympathique. Alors celui-là, il est bien caché, et il est bien placé, tu vois, je trouve, parce qu'il est pas loin des, du bureau de la Maze Bank. Donc voilà, il y a moyen de se cacher un peu en invisible. Dès que quelqu'un il sort de son bureau ou quoi, tu vas l'attaquer. Pour les flics, pareil, tu peux rester là quand t'as 5 étoiles ou quoi. Ça peut aider. Voilà, après, c'est surtout moi, je suis dans les montages, je cherche plein de petites portes pour entrer dans des lieux. D'ailleurs, on a découvert plein de lieux avec les collègues. Je te les montrerai pour plus tard. Mais ça peut être sympa pour des montages, voilà, pour faire des passages où tu sors des lieux en voiture, le garage s'ouvre, etc. Ou alors tu sors d'un endroit, la porte s'ouvre. Voilà. Ils devront en ouvrir petit à petit. D'ailleurs, il y en a qui ont été ouverts petit à petit, hein, tu vois. Numéro 2. Alors celui-là, voilà. Celui-là, par exemple, je le connaissais pas non plus. J'ai jamais vu personne le montrer. Et le premier non plus. Alors là, je suis en pleine attaque de gang. Je sais que, alors là c'est petite info secrète que je te déclare, je sais que là où il y a des attaques de gang, il y a toujours un endroit où il y a un garage qui s'ouvre ou une porte secrète. Que ce soit chez les Vagos, partout, chez les Arméniens, chez les Balas, partout il y a toujours une porte qui s'ouvre. Donc je t'invite à aller les chercher. Là je t'en ai montré quelques-unes, il y en a encore plein. Il y en a peut-être encore que je n'ai pas découvert, mais j'en ai découvert plein que personne n'a découvert, comme celle-ci. Et la première que tu vas voir tout de suite. Alors numéro 1, voilà, là c'est dans le quartier des Vagos pareil, et il y a aussi la Mara Salvatrucha, d'ailleurs c'est à côté des Venice Beach du jeu, voilà, juste ici. Au fond tu pourras voir un grand tag des Vagos, et dans le mode éditeur au fond tu as deux garages qui s'ouvrent, et un petit garage aussi un peu plus gros qui s'ouvre avec comme un atelier dedans, juste au fond là, ici. Là en mode en ligne, il s'ouvre pas, mais en mode éditeur, si tu veux faire l'édition, les trois garages du fond s'ouvrent. Et cette porte, elle s'ouvre tout le temps. Et ça, personne ne la connaît, gros. Ça fait longtemps que je t'en avais parlé. Tac, voilà. D'où la petite image de la miniature, là, comme tu vois. Un petit tac Vagos à l'intérieur. Et voilà, mec. Donc, je te laisse ici, moi. J'espère que tu as kiffé la vidéo. Là, juste après, je vais te montrer les autres garages. Ils vont pas s'ouvrir, mais je te laisse regarder ça. Le petit Vagos, là. On se capte plus tard, on se tire dessus. Pour les nouveaux, abonnez-vous. Si vous avez kiffé, mettez un petit commentaire et soutenez-nous. Ça fait plaisir, les gars. Merci à ceux qui soutiennent. Sur le Facebook, c'est Vagos Locos.
On est à 2700 sur le personnage que tu vois là, sur le Facebook du personnage que tu vois. Et on est 316 sur la page officielle des Vagos Locos. Donc si tu connais pas Vagos Locos, n'hésite pas à regarder les épisodes sur le YouTube, à nous rejoindre sur Facebook, à télécharger les maps sur le Rockstar Social Club en tapant Talibanks. Et voilà. Thanks, thanks les gens.